Milos Raonic réussit son entrée en lice dans la Coupe Rogers, autrement dit le Masters 1000 de Toronto. À domicile, le colosse canadien s'appuie sur son service avec 13 aces et 100% des points gagnés derrière sa première balle pour se défaire du Belge David Goffin. Ex numéro 3 mondial, retombé au 29e rang du classement ATP, Raonic s'impose en 1h13 et en deux manches, 6-3, 6-4. En l'absence de Roger Federer et d'Andy Murray, tous deux forfaits, il tentera de faire au moins aussi bien qu'en 2013, quand il avait atteint la finale du tournoi qui, alternance oblige, avait lieu cette année-là à Montréal. Programmé en dernier sur le court central, un autre Canadien, Vasek Pospisil, est déjà éliminé. Il s'est incliné sur le score de 6-4-6-3 devant l'un des grands espoirs du tennis mondial, le Croate Borna Koric.